La famille, bien le bonsoir. Alors regardez, je vous ai fait un vrai plaisir. Je vous ai ramené une vraie BM de location, frérot. Une vraie, une authentique. Je sais que vous êtes friands de ces BM de location. Alors en voici une vraie, de vraie, de vraie. La couleur par contre est sublime. On filme de nuit encore une fois, malheureusement, puisque vous connaissez, ça fait partie du charme de la maison. Tu peux sortir, hein, frérot, hein, j'ai commencé déjà. Je vais vous faire un petit tour rapide de la voiture comme ça. C'est une M4. C'est une M4. Regardez, une M4. Une M4, pourquoi compétition, frérot? Alors en fait, compétition, ce qui change, c'est la ligne. Ouais. La ligne, elle change. Si tu veux, on a des jambes de la GTS. Ouais. Et elle est un peu plus poussée au niveau des chevaux, elle est à 471. Ok. Au lieu de, si je dis pas de bêtises, 430 pour la M4 de base ou 450. Aucune idée, frérot. Osef. Osef. Tu as bien raison. Donc voilà. Donc attends, c'est quand même une vraie location, frérot. Ah, c'est une vraie location, là. C'est une vraie de vraie. Là, on l'a loué, là. Alors explique-nous un peu le concept. Donc en fait, on est, c'est une location de chez GT Luxury. Ouais. Donc qui est située à Levallois. Et si tu veux, bah, là c'était pour mon anniversaire. Je dis vas-y. Tu t'es fait un plaisir pour ton anniversaire. Folie, ouais, je fais une petite folie. D'accord. Avant que je te félicite de ta franchise, combien ça t'a coûté? Ça a coûté 900 euros la semaine. Putain, c'est tout? C'est tout. Une caution? Du lundi au vendredi, caution, une caution de 6000 euros. Merde. Ah, c'est comme ça, d'accord, ok. Alors on rappelle hein, que la caution. C'est quelque chose que vous mettez. T'as fait comment? Par chèque? Par carte bleue? Comment t'as fait? T'as mis un chèque de banque de 6000 euros de caution, mais vous pouvez faire une empreinte bancaire. On vous rappelle évidemment que la caution, une fois que la voiture est rendue, la caution t'est rendue immédiatement. En fait, voilà. Mais garde le chèque. Voilà. Rien, parce qu'il y a des gens aussi qui connaissent peut-être pas le principe de la LOC, voilà, frérot. Ouais, bah, t'es obligé. En gros, combien ça t'a coûté? En tout, ça m'a coûté 6900 finalement. Voilà, mais. Caution comprise. Voilà, caution comprise. Mais une fois que tu auras récupéré ton chèque, ça t'aura coûté que 900 euros. Voilà. T'as mis de l'essence? Ouais, j'ai mis pas mal d'essence. Ça boit? Ça boit, bah, je suis en moyenne à 22 litres au 100, ça va. Ça reste correct quand même pour une voiture comme ça. Et quand tu tires vraiment dedans, ouais. Là ça se compte plus. Là c'est, là c'est. La fête du slip, frérot. Là, laisse tomber, là vaut mieux pas regarder. T'as raison. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Joyeux anniversaire. Ouais, merci, c'est gentil. Ça me fait très plaisir. On va bien s'attarder sur la voiture puisque c'est la première M4 que je fais. Et puis la couleur est belle, c'est un covering à ce que je vois d'ici, on va l'expliquer. Si les gens veulent aller dans ta société, c'est ta société ou c'est juste des amis? Non, c'est des amis. Ok, alors c'est quoi? Alors ça s'appelle GT Luxury et c'est basé à Levallois, la rue exacte. Okay. Mais c'est à Levallois, donc je suis en train de GT Luxury, même sur Facebook. Ouais. Sur Facebook c'est plus simple parce qu'ils ont déjà les prix à la semaine, ils ont tout ce qu'il faut. Ok. Et les prix à la semaine, si tu veux, c'est une offre qui va marcher pour l'instant jusqu'à fin février. Ok. Donc voilà, après l'été, on ne sait pas s'ils vont changer. L'été, malheureusement, c'est plus cher, on le sait voilà, tous. Voilà, l'été, la journée, normalement, ça, la journée, c'est presque 700-800 euros. Donc en fait, ah, on est totalement gagnant en le prenant la semaine. Ah, bien sûr, c'est bien ça sûr. Qui est bien en fait. Bien sûr, frérot. Donc GT Luxury, ils sont basés à Levallois et l'été, ils sont aussi ouverts à Cannes. Ok, ça marche. Bon, bah, allez voir ça. Monaco. Même Monaco. Ouais. D'accord. T'as Instagram, frérot? Ouais, moi j'ai Instagram, alors Younsy92. Épelle-le moi, frérot. Alors, Younsy92. Mm-hmm. Et pour la société, c'est GT Luxury, tout simplement. D'accord. GT.luxury. Ok. Vous allez trouver sur Instagram. La sélection exposée, des AMG, partout. Il y a tout. D'accord. Voilà. Moi, ça me fait plaisir parce que, hormis le fait que ça soit une location et tout, ça, j'en ai rien à branler. Ouais. Mais c'est une belle voiture avec un beau covering. En vrai, c'est une vraie plaque allemande. Une vraie, frérot. C'est une vraie. C'est une vraie. On va aller voir. On va aller voir ça. Carbone ici et phare teinté ici que vous ne voyez pas. Pour l'instant, c'est vrai que ça s'est fait un peu comme un sagouin, mais bon, c'est vrai que c'est dommage parce que. Tu le voulais comme ça. Ouais. Et du coup, là, à part samedi, à repart au garage, ouais. Le covering sera refait de A à Z. Vous allez tout refaire, refaire. Est-ce que tu as le prix du covering? Combien ça t'a coûté? Le covering, j'ai ça en plus, je l'ai noté. Si je pas de bêtises. Tu t'es préparé à la question, frérot? Je suis préparé. T'as bien raison. La voiture a vaut 95 000 euros toute taxe comprise. D'accord. En Allemagne, du coup. Ouais. Et sinon, le covering coûte entre 3500 et 4000 euros. Voilà. C'est cher, mais c'est le prix. La société qui fait ça, c'est Explosive Design, basé à Orgeval. Ok. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, depuis une semaine que tu roules avec? Alors, moi, le truc, c'est que j'ai eu un 63 SAMG lundi. Ouais. Et après, je suis là, j'ai pu préparer les deux. Alors? Et en fait, c'est spécial parce que l'AMG, il fait 510 chevaux, donc il est beaucoup plus puissant en soi. Ouais. Mais. T'as plus de sensations avec celui-là? J'arrive pas vraiment à les différencier, c'est spécial.
Donc entre le C63S et celui-ci, tu préférais quoi? C'est dur. Moi, je suis un fan de Audi de base. Ouais. C'est dur. Franchement, c'est dur à choisir. C'est très dur. Ça, c'est plus joueur, on va dire. Ouais, ça, c'est joueur, le M4, joueur, il paraît. Moi, tu sais, j'en ai jamais conduit un, ni même essayé un. Mais ouais. C'est une belle voiture. C'est une belle voiture. Ouais, la MG, ça a fait ses preuves. De toute façon, un C63S, c'est une très très bonne voiture. De toutes les manières. Je vais monter à côté de toi. Parce que frérot, là, on fait que blablater. Mais le vif du sujet, à mon avis, se trouve. Tu peux me déverrouiller, merci. Se trouve à l'intérieur. Parce que comme je suis jamais monté dedans. Là, c'est assez classique. C'est pas comme dans. Je suis en train de chez Mercedes où t'as plein de trucs. Voilà. Ouais, c'est différent. Les intérieurs différent, BM maintenant sont bien, frérot. Sont plus sobres, on va dire. Alors, que je regarde un peu. Donc la planche de bord, elle est en laqué noir, cuir ici, plastique ici, alu ici. Bon, après ça reste BM, hein. De toute façon, ouais, vous connaissez, hein, les gens ils connaissent, hein, frérot. Les touches là, médium, etc. Et le Maybach qui est passé, je l'ai vu, j'ai aperçu. Tu peux me faire un petit tour, frérot, s'il te plaît? Je me sens comme une pute, frérot, que t'as amené à la chambre, frérot. Attention, parce que lui il veut tourner, ne le laisse pas passer, frérot, je l'aime pas. Ouais, ouais, le laisse pas passer. Voilà, chef. Il va attendre comme tout le monde. Bah écoute, frérot, fais-toi un petit tour. Moi je suis là, je filme et je commente. Là, on est au max déjà, hein, bruit et tout. Hein. Alors là, j'ouvre les valves, on en sport plus. Ouais, mets-toi au max direct, frérot, ça sert à rien de. Voilà, je vois, ça c'est bien. Ah, il y a des petits retours sympas. Tout ça, on le rappelle d'origine dans le pack. Rappelle-moi le nom du pack. Compétition, ça s'appelle M4 Compétition. C'est un M4 Compétition. D'accord, très bien. C'est super, ça m'a l'air pas mal du tout. Ah, ça change du tout. Mais ça dérape de partout, c'est ça le problème en fait. C'est que. Ah, mais si t'enlèves toutes les aides, ça y est, c'est parti. Avec les aides, ça y va quand même. Très bien. Et ouais, ça chante bien. Plaisir d'une semaine. Voilà, lundi ou vendredi. Plus je travaille le mardi, mercredi, donc le lundi je suis tranquille. Ouais. Après je suis en cours le matin, le jeudi et le vendredi. Bon, il faut laisser les passer. Pas me faire plaisir. La règle c'est de laisser passer quand il y a une poussette. Sinon on laisse jamais passer. les rétros sont top. Ouais. Les rétros sont taillés dans la roche comme ça, ils sont propres de ouf. Généralement les BM sont assez forts pour ça. Les BM de toute façon sont de plus en plus forts, frérot. Je te conseillerais plus de passer là-haut. Regarde la différence au niveau du bruit avec la 63, bon, c'est tout ce que tu connais plus souvent. Ouais, bien sûr. Non, oui, les derniers, ouais, hein, voilà, 63. Voilà, c'est ça. Parce qu'atmosphérique, attention. Ah, c'est une autre histoire. Ouais, ouais, c'est une autre histoire, frérot. Mais oui, c'est là, une fois passé les 2000-3000 tours, il commence à être un peu plus aigu, oui. Ouais. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Mais ce que je préfère aussi, c'est que c'est un bruit qui ressemble plus à un bruit presque de l'atmosphérique, comme si ça y est. Ouais, non, c'est vrai, j'ai senti ça. Ça bon. J'ai senti ça. Mais en plus, moi je suis très bien dedans, il y a beaucoup de place là, et ici, derrière aussi. Il y a derrière où on est très bien, t'as fait monter des gens, des petites ou quoi ou... C'est ça. Bah, on fait des shootings avec les photos comme ça. Ouais. Avec les photos avec les voitures. Donc on fait des shootings, d'ailleurs on va ouvrir une page bientôt. D'accord. Exprès, dédié à ça. Et ouais, donc, franchement, il y avait le photographe derrière. Et... D'accord. Même 3 personnes ça va. 3 personnes ça va. Super. Ouais, c'est respectable. C'est pas mal. Non, c'est très respectable, frérot. C'est très respectable, c'est suffisant. Ça m'a l'air de bien accrocher. Mais ça peut partir au moindre. Voilà, c'est ça, à tout moment. J'aime bien. Tu la relouras ou tu t'en fiches? Ouais, je pense que je vais refaire une petite folie d'ici une ou deux semaines. Ouais. Je sais pas ce que je vais prendre. Soit je reprends ça ou. Ou bientôt là ils vont avoir une R8, j'aimerais bien essayer ça. Je déteste essayer. Je la hais. Je sais pas ce que. Ah frérot. Pas du tout. Les R8 j'en ai eu deux. Une R8, la première frérot, c'était la première sur Terre genre.
C'était très bien pour l'époque, j'ai adoré cette caisse. Mais là, il y a quelques années, j'en ai eu une. Frérot, elle est belle, hein, attention, ouais, c'est une très belle voiture. Bien, ouais, mais frérot, je supporte pas. Je m'amuse plus avec la TTRS qu'avec le R8. Ah, ok, d'accord. Mais de toute façon, on sait quoi, frérot, Osef. Mais non, non, elle est très bien. Ouais, la couleur est belle. La couleur, ça change, ouais. Alors, on la voit pas partout, belle. En fait. Bah non, la couleur est belle. Le covering, bon, c'est cher. De toute façon, c'est les prix, hein. C'est les prix, frérot, mais c'est cher. Putain. C'est vrai que c'est cher. Mais d'un côté, l'avantage c'est que si t'en as marre, tu changes. Ah, frérot, t'en as marre, t'arrêtes au feu en warning, tu changes tout dans la rue, frérot. Tranquille. Ouais, jusqu'à là, qu'est-ce que t'as bien aimé? Qu'est-ce que t'as pas aimé dans la voiture? Pardon, excuse-moi. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est plus le tableau de bord ou les trucs comme ça. Je trouve que c'est en dessous de chez Mercedes et chez Audi. Ok, tu trouves qu'ils ont fait. C'est moins. C'est trop simple. D'accord. C'est bien de faire simple, mais pas trop comme ça. Gueule, elle est grave, hein. elle est bien, en fait non, elle est bodybuildée mais elle reste fine, voilà. Tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est ça. Elle reste fine, frérot. Il n'y a pas grand chose à dire, hein, dans les voitures comme ça en général. C'est dur de dire ce qu'il y a de mal. Non, après on pourrait trouver un tas de choses, hein, mais le principal, tu sais, c'est que ça fasse plaisir à la personne qui l'a conduit, et ça c'est cool. Tu vois, je l'ai prise comme en mode location, donc je prête même pas attention quand je kiffe. Ouais, t'as raison, je crois que t'en battrais les couilles. Mais si demain t'avais. Si demain tu devais acheter une voiture. Bah, moi, qui est dans ses prix. J'aime bien le nouveau RS5. Ah ouais, j'aime pas. Il plaît pas à tout le monde. Ouais, je l'aime pas. Mais moi, j'aime bien. Je le sens vicieux de ouf. Ah, moi, je travaille chez Audi. Ah oui, je suis en course et on l'a en possession. Franchement, c'est vraiment chouette. Et ouais, de toute façon, je suis pro Audi, donc quand il arrive. Tu resteras chez Audi, frérot. Ouais. Ok, là, on peut reprendre là, frérot. Juste à ton voilà. Là aussi, comme la Mégane folle. Et à choisir, peut-être je prendrais plus la AMG de C63 que le M4. D'accord. Parce que là, le M4, il est trop dangereux, en fait. En fait, tu prends vite la confiance avec ce genre de voiture et à un moment, t'es pas à l'abri de te mettre en enfer, c'est ce que tu veux dire? C'est exactement ça. C'était quoi le prix déjà? Rappelle-le moi, frérot. 95 000 euros, toute taxe comprise, c'est là. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Ouais, j'ai vu. Non, c'est des prix, mais bon, encore mettre 95 bâtons là-dedans, c'est quelque chose. Fatigant un peu. Voilà, c'est pour le même prix, franchement, ouais, je peux quand même prendre le 63. Pour le même prix, frérot, je m'achète une Rolls Phantom première génération qui roule même plus, frérot. C'est tout, mais au moins je suis en Rolls, frérot. Mais non, 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 bien sûr, après, mis à part cela, c'est très très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver un endroit qui est un peu éclairé. Parce que la GoPro de nuit Walou et pour je sais pas où on va aller. J'ai un endroit, je c'est où, frérot? Si tu veux, là on prend la route passée derrière. Ouais. Je peux. Et si tu veux, tu vois là où il y a le pont de Bir Hakeim. Ouais. Je crois qu'on dit Bir Hakeim. Bir Hakeim, frérot. Voilà. Bah, juste après le pont, t'as un endroit qui est bien éclairé. Et on fait même des shootings là-bas. Même la nuit? Ouais. Alors vas-y, frérot. On va pouvoir filmer la voiture. On va aller sous le pont, frérot. C'est là où t'emmènes tout. et puis bon, on va filmer le moteur et compagnie et faire des ruptures, on a le droit, frérot. C'est ça. On a le droit aussi. Ça chante. Bah, grand plaisir. On revient tout de suite. En fait là on la voit bien mieux. C'est vrai, je te disais, tu m'as pas escroqué. Tu m'as pas escroqué, là on voit très bien. Par contre ceux qui vivent ici doivent virer, frérot. La couleur elle claque, hein. Putain, rouge satiné, frérot. Elle est bonne, hein, putain. Elle a un vrai cul. En fait, j'avais pas bien vu. Ah ouais, non, non, elle est très très belle. Très très belle. Belle jante. Belle jante. Hein? Si jamais tu veux voir le corps. Ouais, j'avais complètement oublié. Je mentais en disant que j'allais te demander, mais bon. Très bien. Un coffre très sérieux. Tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît? Ouais, non, elle est très très belle. On va faire une belle photo. Je vais faire une belle photo sur Instagram. Une belle photo de mytho. Faire une photo mytho, frérot. Je suis content. Je suis content, frérot. J'ai une photo de mytho. Je te cache pas. Ça là, je tombe jamais. T'inquiète. Je vais te filmer pendant que tu te HM devant les gens. Voilà. Voilà.
c'est pas grave. Attends. Bah figure-toi que, que moi non plus. Ça je sais jamais, je vous dis des bonnes choses. Mais on va être obligé de l'ouvrir frérot, sinon on va nous insulter sur YouTube. Peut-être c'est les zombies. Non non, y a pas là, c'est trop bizarre, attends, je comprends pas. Je comprends pas, je n'ai jamais fait d'M4. Remets quand même un coup frérot s'il te plaît. Ouvre là vite, enfin remets un petit coup. Désolé les amis, les aléas du direct. Voilà, c'est bon. C'est bon. Tu peux la couper frérot s'il te plaît, je sais que je t'en demande beaucoup. Ça c'est joli ça. Qu'est-ce que vous en pensez cher monsieur? C'est une bonne voiture. Ouais, c'est beau hein. Ouais, c'est beau. C'est pas mal. C'est beau. Tu fais des chevaux là-dedans? 471. 471 ouais. Bah, il faut aller dedans et la faire tourner hein. C'est beau ça, la barre là en carbone là, comment c'est propre hein. Non non, franchement c'est du bon taf hein. C'est du bon taf frérot, c'est du bon taf. Hein? C'est du BM. Ouais. BM au niveau des moteurs franchement. C'est du miséreux frérot. C'est du miséreux. Tu peux me faire ma photo mytho? Allez. Je vais faire ma petite photo frérot et après on va démarrer et ça lâche des flammes ou non? Non, je crois pas, on va démarrer, on va faire claquer 2-3 fois, puis après voilà. Donc pour l'instant, que vous avez vu l'extérieur, on va fermer ça. Je vais faire ma petite photo Instagram. Je suis très content, mon Instagram s'affiche au-dessous. D'ailleurs, quand la vidéo passera, je vous prie d'aller sur mon Instagram et d'écrire, parce que c'est une photo mytho, d'écrire en commentaire sous la photo, elle est belle ta voiture. Seigneur frérot, celui qui a fait ça là, frérot, il était dans l'abus. Là, vous... il était fatigué. Là, c'est la. Non, franchement, obligé. Je critique jamais. Là, c'est l'abus. Là, c'est chaud. Non, c'est l'abus. Là, il était fatigué. C'est abusif. C'est abusif. On fait la photo et j'arrive. Non, de loin, ça fait le taf. Hein, regarde, de loin, c'est beau. Hein. Alors, on a démarré. Et on est parti pour la dernière partie de la vidéo, les amis. Le bruit. Vas-y, mon frérot. De ouf. Bon, attends, je vais monter à côté de toi. Et puis, puis on va y aller. Le bruit est dingue. Je suis bien content. C'est une bonne vidéo, frérot. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on est chaud. Voilà, on est bon là. On est très bon. En tout cas, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous ajouter à tous les Instagram possibles et imaginables que j'ai mis en lien. Et puis, voilà, frérot, à bientôt. Car tu es censé venir me présenter d'autres voitures. Il y aura d'autres surprises. Hein, et ça fait très plaisir. À bientôt tout le monde et bonne soirée.